Salut, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va. T'as passé un bon week-end? Oui, nickel, et toi? Bon, ouais, super. Un petit café? Non, merci, il faut que je travaille là, je suis en retard. Alors, ma petite Julia, t'es toujours sur les logos des produits ménagers? Faut que ça soit fait pour demain, hein. Bien sûr, monsieur Grandjean. C'est bien. Allez, laisse tomber, de toute façon il changera pas. Bah oui, je sais bien, mais regarde. T'as vu, c'est pas en redessinant ces logos que ça va changer quelque chose. C'est vrai, t'as raison. Mais bon, on n'a pas vraiment le choix. Hein. Moi je fais ce qu'on me demande et je pense à mon salaire. Bah oui, mais moi quand je pense à mon salaire comparé au tien, ça m'énerve encore plus. Demain. Salut, à demain. Il y a le directeur qui te cherche, du Furex. Ah bon? Ah, mince. Ah, merci. Entrez! Bonjour, vous avez demandé à me voir? Ouais? C'est quoi ça? C'est pas ce que je t'ai demandé. Je sais pas, j'ai jamais envoyé ces logos. Ils se sont pas fait tout seuls. Donc en plus, tu me mens. Donc ce que tu vas faire, c'est que je te vire. Donc là, tu prends tes affaires et tu rentres chez toi. Non, y a pas de mais, je veux plus te voir, rentre chez toi. Allô? Bonjour, je suis Madame Olympe, la directrice de l'entreprise Blonde Aspie. Je m'adresse bien à Julia Bay. Oui, c'est moi. Je vous appelle à propos du logo que vous m'avez envoyé par mail. Ah oui, mince, je suis vraiment désolée, je sais pas ce qui s'est passé. Non, non, au contraire, j'ai adoré votre idée et j'aimerais vraiment vous rencontrer au plus vite. Ah, bah, bien sûr, je suis disponible maintenant. Parfait, alors à tout de suite.